un pot d'express aux champignons et à la viande. Voilà. Alors, on va saisir la viande d'abord. Après, on mettra les légumes que j'ai coupés déjà et lavés. Les ciselés, comme on dit, les carottes, les poivres rouges, voilà. Les deux oignons, c'est une branche de céleri, 5 champignons, un fenouil, puis qu'est-ce que j'ai mis encore pour des navets. Voilà, j'ai coupé les navets un petit peu, voilà. Alors, j'ai décidé de faire un pot d'express pour champignons et avec la viande et le riz. Voilà. Alors, j'ai coupé toutes les légumes déjà. J'ai aussi avancé les champignons, du thym, le riz et puis coriandre et aussi c'est du persil, voilà. Et puis avec les feuilles, les tiges, le feuille de céleri, j'ai rajouté avec. Et comme je vous dis, deux oignons, une tomate et deux carottes. Et il y aura aussi comment ça s'appelle, alors le navet, voilà, que j'ai coupé, 5 navets j'ai coupé. Et j'ai mélangé aussi, rajouté aussi deux chalotes plutôt, voilà, un oignon nouveau, et puis les épices que je vais rajouter après, voilà, et un cube de bouillon, voilà. On va pouvoir commencer pour aller un peu plus vite. Alors, là c'est pour plaisir, j'ai rajouté une cuillère à soupe de chocolat, une cuillère à soupe de miel, voilà. Et on va mettre sel et poivre, voilà. Et puis rajouter ensuite les légumes, donc les champignons et tout ça, voilà. Oui, j'ai oublié, ça c'est pour le ça c'est le riz, ça. Je vais ouvrir de l'eau, voilà. Et j'ai rajouté un pincet de sel et un petit peu d'huile pour que ça ne colle pas. Voilà. La cuisine, c'est toujours ça. Voilà. Et là, c'est la riz. Et là, je vais rajouter trois verres d'eau, voilà. Ensuite, je vais laisser cuire avec. Voilà. J'ai mis toutes les huiles ici dedans. Voilà. Persil, curcuma, voilà. Voilà, les 4 épices. On va laisser mijoter. Alors, comme je disais, je viens de finir mon poté d'express à la viande, voilà. Et voilà, avec des pommes de terre et puis toutes les épices que je vous ai dit, et puis les carottes, etc., comme au début, là j'ai fini. Et là je l'éteins le feu, voilà, et je vais laisser reposer pendant 2 heures, voilà. On se verra.